Mon nom est Bruno Perron, je suis conseiller pédagogique ici à l'École polymécanique de Laval. À mes côtés, M. Michel Lorrain, chef du département de mécanique industrielle de construction et d'entretien, nous vous présentons le projet d'exploration en formation professionnelle destiné aux jeunes secondaires. C'est un projet qui a été conçu de toutes pièces par les enseignants ici de mécanique industrielle. Naturellement, M. Lorrain a été là, le maître d'œuvre, mais s'est joint à lui M. Marc Dupont, M. Daniel Haché, M. Rémi Tremblay et M. Michel Trudel, qui ont mis beaucoup d'heures pour être capables de concevoir ce magnifique projet. M. Lorrain, pourriez-vous nous expliquer la finalité du projet? Certainement. Donc, ça consiste en un escalier qui fait remonter les balles de golf jusqu'en haut ici et ensuite elles redescendent par gravité sur le système de rails et la spirale pour être réintroduites dans la machine et ça continue perpétuellement comme ça tant que le moteur actionne le mécanisme. Le défi de l'élève va être d'assembler le montage que vous voyez ici. Donc, quand l'élève va recevoir le montage, il va être complètement désassemblé. Tous les pistons vont avoir été retirés, le rail également, le moteur également. Et le défi de l'élève va être de replacer, dans un délai d'une quinzaine de minutes, tous les éléments constituant la machine pour la rendre à nouveau opérationnelle. C'est un beau défi. Et ça va permettre aux élèves de véritablement voir les compétences qui sont associées au métier de mécanicien industriel pour qu'ils puissent au moins faire un choix judicieux de carrière ultérieure. Monsieur Lorrain, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire une démonstration du montage et nous montrer là, sa fonctionnalité? Certainement. Donc, je démarre le moteur. Donc, on voit les balles qui montent dans l'escalier et qui retournent par gravité à l'entrée. En terminant, nous allons remettre avec plaisir ce projet qui va circuler dans les écoles secondaires et nous souhaitons bien du plaisir aux élèves dont le défi va être de l'assembler et de le mettre en marche. Merci et bonne journée.